throw this disc. Hey, comment ça, mes sphères? C'est SNS. On se retrouve pour une nouvelle vidéo d'essai de ne pas rire. Donc, pour rappeler, le but est très simple. Il suffit de regarder la vidéo avec de l'eau dans la bouche et de ne pas rigoler. Sinon, j'ai un défi à faire pour la prochaine vidéo. Et vous aussi, vous pouvez jouer avec moi en faisant pareil et en me disant dans les commentaires combien de fois vous avez rigolé. C'est bon, c'est enregistré? Allez, c'est parti, mes sphères. Allô? Oui, je suis au magasin But. Oui, bonjour. Oui, bonjour, je vous téléphone pour un petit renseignement. J'ai vu à la télé ou à la radio, je sais plus, que si on achetait un canapé, vous offriez deux poufs. D'accord, je suis pas au courant. Ah ben j'ai entendu à la radio, pour But, si on prenait un canapé, vous offrez deux poufs. Et vous avez le nom du canapé? Alors là, non, je n'ai pas fait attention, puisque moi, ça m'intéressait en termes de promotion, comme je suis célibataire. Et du coup, au niveau pouf, c'est quoi? C'est des poufs du magasin? Oui, ça doit être des poufs du magasin, oui. Ouais, donc du coup, c'est quoi? Des vendeuses, des caissières? C'est-à-dire? Ben, au niveau des poufs que vous offrez, c'est quoi? C'est des vendeuses ou des caissières plutôt, non? C'est quoi ce genre de blague, monsieur? Ben, c'est-à-dire, moi, je reprends la pub à la télé? Ben non, mais vous me parlez de poufs, vous me parlez de caissières. Oui, parce que vous offrez deux poufs avec la chaîne à canapé, donc je voulais juste avoir des précisions sur les poufs que vous offrez. Parce que moi, je suis assez exigeant, hein. Je suis célibataire et je veux pas n'importe quoi. Monsieur, j'ai pas trop le temps, je vous souhaite une bonne journée, d'accord? Déjà? Donc l'opération n'est pas valide, alors? Bonne journée, monsieur. Bon, ben, je vais continuer mythique. Hein. Bon, je vous propose une formation de ce domaine faite par des professeurs agréés et certifiés par... Rebecca! Tu pisses pas dans l'arrosoir, hein? Excusez-moi, monsieur, c'est ma fille, elle pissait dans l'arrosoir. Oui, monsieur, oui, d'accord. Je suis désolé, vous disiez. Je vous propose une formation de ce domaine faite par les professeurs agréés et certifiés par l'État. Ils vous accompagnent depuis votre niveau jusqu'à votre maîtrise. D'accord, monsieur? Ah, d'accord. Et puis on peut gagner des sous avec ça? Vous voulez savoir comment ça fonctionne dans une entreprise? Je vous montre. Il y a une feuille par terre. Tout le monde l'a vu, hein, mais personne ne la ramasse. Je vais mettre un petit billet. On va voir, la feuille, elle va disparaître, et le billet avec. Je pense que la situation va pas durer longtemps. Ah. Non, ils voient pas. Ils sont aveugles, mes gars. Ils sont aveugles. Eh, ça c'est balèze. Et en plus de ça, ils ramassent même pas la feuille. Par contre, j'ai une question à vous poser, les gars. L'année dernière, je mettais 60 euros d'essence dans ma voiture. Là, cette année, on arrive quand même à 80 euros d'essence. Une question. Ça grandit jusqu'à quel âge un réservoir? Oh là là, tous les cadeaux, ben voilà, c'est Noël, c'est comme ça. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? Attends, voir. Oui, non, mais c'est Minecraft qui voulait. C'est Minecraft. Il m'a dit Minecraft. Mais non, papa, c'est Minecraft. Mais où t'as trouvé ça? C'est pas possible. Mais non, c'est pas pareil, c'est un jeu vidéo, Minecraft. C'est pour les gamins. C'est pas possible, je te jure. Bonjour. C'est marrant parce que ma femme, elle met les mêmes culottes que vous.
c'est pas une cigarette, c'est une... Un cigare, une clope. Une clope, un, une... Il y avait de la fumée, c'est une... Une... je sais pas... Quand on est grand-père, on fume une pipe, pardon. Tu peux... Vas-y, qu'est-ce que tu peux tailler à ton copain? quand tu suces, tu fais une... Oui. Une copine vient de me montrer ses seins parce que j'avais l'air triste et seul. Franchement, c'est super sympa. Mais maintenant, je suis triste, seul et j'ai la gaule. J'ai parcouru la France des services de réanimation. Salam alaikum. Oh, Bobo. Bobo. Volant, je sens, tu sais, je sens la route, quoi. C'est incroyable, en fait. Attention, veuillez respecter la limitation de vitesse. Je mets mes mains sur le volant et je sens la route. Attends, j'ai pas compris, là. Attends. Un Big Mac sans viande parce que je suis végétarienne. Du coca sans gaz parce que je suis juif. On me dit souvent, ouais, on sait pas comment tu fais, tu sors jamais. Pas une boîte de nuit, pas un resto, pas un repas, rien, pas un ciné, rien. Comment tu fais? C'est quoi ton secret? Ben mon secret, c'est que je suis pauvre, en fait. Voilà. Ah, je crois que vous avez un peu qu'à crever. Excusez-moi, madame, c'est à vous? Vraiment? Oui, maman. Tiens, elle a... Ah oui, tiens. Je vais lui donner, hein, parce que... Attendez, madame. Mais elle vient le faire tomber. Ouais, moi, je vais appeler les flics et puis c'est tout. Tu vas appeler les flics. Ouf, mi-temps. Waouh. Et le dernier sketch commence à abuser la mauvaise foi. Je sais que la vie c'est pas facile, mais. Alors, elle a pu dire non, c'est pas à moi, on peut faire 50-50, je sais pas. Mais de là dire que tout est à elle. Sinon, ça va pour le moment, tiens, mes sœurs. Allez, on y retourne. Hein? Tu peux fermer la porte quand tu chies, s'il te plaît? Aïe aïe, on s'accroche. Elon Musk. Du coup, tu veux t'asseoir quelque part? Non, c'est bon. Ah, écoute, pas de problème, hein. On regarde Netflix? Bonjour, enchantée, je suis française. Ta gueule,
ferme-la, elle parle aussi. Bonjour, enchanté, je suis le trésor public. Mais ça va pas de taper les gens comme ça? Non, c'est les Français, ils ont l'habitude. Ah donc vous êtes boulangère? Oui. Tiens, ben, je vais en profiter, je vais vous prendre une baguette, s'il vous plaît. 1,20€, s'il vous plaît. Tenez. Hop, 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 ça c'est pour moi. Bonjour, enchanté, je suis l'URSSAF. Vous prenez la moitié de ce que je viens de donner à madame, alors que j'ai entendu notre président qui disait que vous étiez l'ami des entrepreneurs. Ah bah ouais, mais quand vous avez un business qui marche, toujours un ami pour vous taper de l'argent. Hein. Puis moi je suis un vrai ami, hein. Je suis là même quand ça marche pas. Oui, mais monsieur va payer ma retraite. Oui, Madame, vous la taxez de plus en plus, alors qu'on lui retire de plus en plus d'avantages, c'est pas logique. Et à propos de sa retraite, c'est aux retraités qu'on retire le plus, comment ça se fait? Bah c'est normal, techniquement, c'est eux qui se plaindront le moins longtemps. Je peux prendre ma baguette quand même, s'il vous plaît? Tenez. Si. Hop, hop, hop. Ça c'est pour moi. Bonjour, enchantée, je suis la TVA. Moi je prends 5% sur votre baguette. Mais ça va pas? Ça va, estimez-vous heureux, sur le reste je prends 20. Et attendez, il y a déjà monsieur l'URSSAF qui a pris la moitié de ce que j'ai donné à la dame. Vous qui prenez 5% de ma baguette, vous trouvez pas qu'il y a un truc qui va pas là? Exact! Dis donc, fais voir ce que t'as laissé l'URSSAF. Ça c'est pour moi. J'avais oublié le prélèvement à la source. J'ai risqué d'avoir quelques petites erreurs au début. Et vous, vous vous rebellez pas? Non, mais vous inquiétez pas, les gens on leur laisse juste assez pour qu'ils aient peur de le perdre. Wow. Je commence à avoir trop mal aux joues. Comment il s'est explosé le crâne? Bon bah ça me fait un gage. Attendez une minute, attendez, attendez. Quoi? Je m'en avais tout, Chico. Avec les hommes avec qui elles veulent coucher et les hommes couchent avec les femmes avec qui ils peuvent. C'est vrai, je suis d'accord, hein. En règle générale, c'est comme ça. Mais maintenant, ma question, c'est... vous avez le choix, d'accord? Donc, pourquoi vous plaignez? Ça veut dire que t'as le choix de coucher avec qui tu veux, tout ça. Et la plupart du temps, vous dites que les mecs, c'est des connards. Mais c'est vous qui faites le choix, non? Vous couchez avec qui vous voulez. Donc, vous savez pas faire vos choix. Donc, arrêtez de blâmer les mecs. Vu que c'est vous qui couchez avec qui vous voulez, arrêtez de blâmer les mecs. C'est vous qui faites les mauvais choix, imbécile. Doesn't see us. She doesn't see we in the Hello? Car. Hello. Oh, that's funny. She doesn't see us at all. Oh, that's funny. Hey, ma'am. Should I knock on the? Should I unroll? I'm not unrolling. That's funny. Should I unroll the window? Well, yeah. Unroll the window down. Yeah. I'm gonna show her. Oh no. Oh wait, wait, wait. Oh no, 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 no. Okay, hold on. I need. Mais c'est dégueulasse. Fatality. Fatality. Hmm.
The next time you wear black and someone says to you, whose funeral is it? Just be honest. Look around the room and tell them, I haven't decided yet. I've been expecting you. Voilà mes sphères, c'est terminé, j'ai rigolé une fois, donc ça me fera un défi à faire pour la prochaine vidéo. Alors vous pouvez m'écrire dès à présent le défi à faire dans les commentaires. Et comme d'habitude, faites-vous plaisir, mettez-en le plus possible. Et puis moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles données. Ciao mes sphères.